Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vidéo. Comme promis par rapport à les abonnés, vous avez demandé comment bien nettoyer votre WC. L'astuce que je vais utiliser, ça va être uniquement avec du vinaigre et savon de Marseille. Donc tout d'abord, prenez votre papier de cuisine. Donc cette astuce, vous avez des calcaires autour de la cuvette, utilisez cette astuce, elle est vraiment idéale. Vous prenez le papier donc à chaque fois par deux. De longueur, vous allez le plier en deux et après encore en deux. Et vous allez le mouiller uniquement avec du vinaigre blanc. Le vinaigre blanc est les produits vraiment au top pour la toilette. Comme j'ai dit, voilà, il y a beaucoup d'astuces. Mais là, j'ai décidé de vous montrer par rapport à le vinaigre parce que c'est le meilleur. Donc voilà, vous mettez partout du vinaigre et vous mettez autour. De ma part, j'en ai pas besoin, mais je vous montre comme ça, vous savez comment il faut faire. Vous inquiétez pas, quand vous appuyez avec vos doigts, ça va rester collé en fait. Cette astuce-là, faisait ça uniquement une fois par mois. Lors d'un grand nettoyage de toilette, vous faites ça une fois. Il est très important de ne pas oublier. La plupart de gens, ils oublient en fait de nettoyer le tout et surtout la cuvette. Comme vous savez, il y a beaucoup d'astuces avec des produits écologiques. Il y a avec le bicarbonate, le savon noir, il y a beaucoup d'astuces. Mais moi, voilà, comme j'ai dit aujourd'hui, c'est que avec le vinaigre blanc. Et le vinaigre blanc, on le trouve partout dans le monde. Mais par contre, le bicarbonate, parfois, c'est difficile à trouver. Petit détail aussi, je pense que vous le savez aussi, n'oubliez pas de porter des gants pour pas abîmer vos mains. Si maintenant vous avez beaucoup trop de calcaire, parce que vous allez mettre vos doigts et vous allez sentir qu'il y aura le calcaire, si vous trouvez par exemple qu'il y a beaucoup trop de calcaire, laissez toute la nuit agir et vous allez voir, c'est l'idéal avec le vinaigre, vraiment. Aussi, petit conseil, vous ne devez pas jeter le papier après dans la toilette, jetez dans votre poubelle, comme ça il n'y a pas de risque pour boucher votre toilette, parce que c'est quand même de papier assez épais. De ma part, moi je vais laisser agir pendant une heure parce que c'est vraiment pas sale chez elle. Voilà, comme j'ai dit là tout de suite, je vais vous montrer comment il faut faire pour enlever le calcaire. Donc là, je vais prendre le produit, donc c'est le savon de Marseille. Vous pouvez également utiliser le savon noir, bien sûr, c'est comme vous voulez. Qu'est-ce que vous avez chez vous à la maison. Vous pouvez même le faire avec le produit lessif pour nettoyer votre toilette. Vous n'avez pas besoin de Javel, de produits, soi-disant, avec le spray que je vois partout. Monsieur Propre, voilà, ça, vous n'avez pas besoin du tout. Vous prenez, par exemple, liquide de vaisselle, je pense que vous avez tout ça. Et en plus de ça, elle va bien nettoyer, elle va sentir bon. Il n'y a pas mieux que le produit de vaisselle. Bon, moi, j'ai pris le savon de Marseille et le savon noir, comme j'ai dit, c'est aussi bien. Donc quand vous mettez le papier, vous faites ça en attendant. Petit conseil aussi, l'éponge que vous utilisez. Moi en général, l'éponge que j'utilise chez moi à la maison, je fais des petits signes comme un petit croix, un petit cœur. Et moi je sais les signes, par exemple du cœur pour la toilette, un petit croix pour le bac de chat, voilà. Donc faisiez quand même attention que vous n'utilisez pas pour votre vaisselle, ce serait vraiment dommage. Vous prenez votre brosse de toilette et vous allez mettre du vinaigre. Et en même temps, vous allez mettre aussi le vinaigre à l'intérieur et vous frottez. Si par exemple, il est trop sale, il y a du calcaire à l'intérieur, vous mettez, on va dire, deux verres de vinaigre et vous laissez agir avec le papier que vous avez laissé. Mais il faudra qu'on ne touche pas la toilette toute la nuit. Hein. Comme ça, ça va bien marcher, vous allez voir. Pour rapport aussi à l'essuie microfibre, ça aussi, je mets sur le ticket un petit croix, un petit cœur, voilà le signe de toilette. Et donc là, je vais enlever tout le savon. Je voudrais aussi vous dire quelque chose pour rapport à les lingettes, parce que j'en vois beaucoup des personnes qui utilisent les lingettes pour nettoyer voilà la cuvette et tout ça, le toilette et tout le tour quoi. Et après ils les jettent dans la toilette et tout ou bien dans la poubelle. Pour moi c'est pareil. Faisiez quand même attention pour rapport à ça. Ne achetez pas les lingettes. Je vous déconseille. Prenez des essuies. Franchement laissez tomber. C'est pas bien pour l'environnement, pour les animaux, pour la planète carrément. Faisiez vraiment attention par rapport à ça.
Ils disent toujours, oui, c'est facile, voilà, on prend les lingettes et hop, on nettoie. Non, 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 non. Il faut d'abord réfléchir. Vraiment, la planète, elle va pas très bien, donc faites quand même attention. Donc, une fois que vous avez terminé, vous pouvez le jeter. Quand vous faites tout le travail, vous faites ça en dernier. Une fois que vous avez retiré le papier, donc vous allez le jeter. Après, de mon côté, je vais mettre savon de Marseille. Donc, vous pouvez aussi mettre savon noir, vous pouvez aussi mettre le produit lessif. Ça fait très très bien l'affaire. Donc, moi, je mets pas de gel en fait dans la toilette. Je mets toujours des produits comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? Prendre une bouteille et alors là, vous allez mettre des produits de lessif, un verre, on va dire, comme ça. Et donc, voilà, après, vous mettez à chaque fois, au lieu d'utiliser les produits agressifs pour vos toilettes. C'est pour ça que vous avez des calcaires. Hein. Les produits, là, ils sont pas vraiment adaptés. C'est que pour acheter, en fait. Faites vraiment attention par rapport à ça. Je sais que je le répète et je le répète. Voilà, moi je vais pas changer la planète, mais si avec mes vidéos, à travers mes vidéos, je peux changer les avis des autres, ça me ferait vraiment plaisir. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, tant entendu, parce que je sais que ça fait longtemps que vous avez demandé quand tu vas faire une vidéo, comment il faut nettoyer les toilettes. Et comment il faut enlever le calcaire, donc voilà, que avec le vinaigre et des petits produits comme Marseille, savon de Marseille, les liquides et tout ça, donc voilà. J'espère que vous avez aimé, donc je vous dis à la prochaine fois avec Mina Love Home. Salut, salut!